RMC, Apolline Matin. Attention. Deux manches pirates, le 32-16. Quelle transition. Quelle transition. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour. Et oui, vous venez de passer au 32-16, justement au standard. Et ce qui fait réagir, c'est cette rémunération de Patrick Pouyanné. Et oui, voilà. Un homme bafoué défend son honneur. On a eu un message de Patrick Pouyanné. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Oui, bonjour, je voulais détailler un peu plus les choses. C'est faux de dire que je me suis augmenté de 52%. Oui, en 2021, j'ai gagné 6 millions. Mais je ne me suis pas augmenté, j'ai toujours gagné 6 millions. En 2017, 6 millions, en 2018, 6 millions, en 2019. Alors, ça suffit la médisance. Hein, vous l'avez vu, il a même publié le graphique. Oui, oui. Donc, c'est facile de critiquer, de ricaner, de rire. Mais derrière la cravate, il y a un cœur qui bat. Vous dites « Ouais, ouais, on a des problèmes d'argent !» Mais vous avez pas d'argent, vous savez pas ce que c'est. Ma voiture non plus, elle roule pas. Hein. Ça fait 6 mois que j'attends une pièce qui est introuvable sur les moteurs de Bentley en ce moment, parce que ça vient du fin fond de l'Angleterre. Vous croyez que je suis mieux loti que vous ? On a eu un message aussi de la femme de Patrick Pouyanné qui dit « Patrick, ta gueule, vraiment, ta gueule, arrête. Je te jure, c'est pas une bonne défense. » Donc, effectivement, Manu l'a dit, baisse du salaire de Patrick Pouyanné l'année dernière qui passe à 4 millions. Et Charles, soyez honnête, si vous aviez 2 millions de moins sur votre compte en banque, vous feriez quoi ? Eh bien, vous vous coifferiez exactement pareil. Oui. Et c'est beau de montrer qu'on ne change pas. Mais oui. Patrick Pouyanné est en tout cas soutenu par ses amis du 440 qui proposent de défiler de Bastille à Nation avec des pancartes en soutien au malheureux patron. Moins de jalousie, plus de jacuzzi, abat, abattement fiscaux, moins d'aide sociale et plus pour Total s'il est censé trop cher. Retourne chez ta mère. Journée d'action. Mais d'action en bourse. Ils sont remontés les mecs, hein. Vraiment, ils se soupçonnent Emmanuel d'être plus ou moins co-auteur des slogans. On en reparlera. Ce sera l'occasion d'un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve Arnaud tout à l'heure, 8h20. Prochain rendez-vous avec Arnaud Demanche sur RMC. Il est 7h28.